Ah les gars, c'est pas possible! C'est pas possible! Dites-moi que c'est un cauchemar! Dites-moi que c'est un prank! Après tout ce qu'on a fait, invaincu en Ligue 1, on tombe contre Ajaccio! On perd contre les derniers! Ils sont 40e Ajaccio, les gars, 40e! La devise de l'OM, c'est à jamais les premiers et on perd contre les derniers. Mais la devise, c'est on sera jamais premier. L'OM dit adieu au titre. On sera jamais premier, bande de nuls. Nul, 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 nul. La vie de ma mère, obligée de sortir mes armes de forgeron. Bande de forgerons sur le terrain, vous êtes nuls! C'est pas possible, c'est pas possible! Je l'ai cassé ça aussi! Je l'ai cassé! C'est pas possible, juste avant d'aller au Parc des Princes! Juste avant d'affronter le Sporting! On perd contre des promus! Promus! Ajaccio, ils ont 4 points! 4 points! Même sur mon permis, j'ai plus de points, les gars! Voilà! C'est incroyable d'être nul comme ça. La vie de ma mère. On était bien, on était premier, on était invaincu. Et c'est fini, les gars, à cause des joueurs. Regardez ce qui leur manquait aujourd'hui. Regardez ce qui leur manquait aux joueurs de l'OM. Deux testicules. Vous êtes des monocouilles. La vie de ma mère, des testicules, elles étaient où? Bande de tentacules. Oh là, que c'est incroyable! On était presque là, on repassait premier si on gagnait Ajaccio. À jamais les premiers. À jamais on sera les premiers. La vie de ma mère. À chaque fois qu'on est près du but, on nous bute. Oh là! C'est plus droit au but, la devise. C'est près du but. À chaque fois, c'est pareil, bande de nuls! C'était le match le plus facile de l'année. Oh là! La vie de ma mère, Ajaccio, les gars! Depuis quand ils savent jouer au ballon? Oh, on a perdu contre les plus nuls de France. Et c'est même pas les meilleurs. Ajaccio, c'est même pas la meilleure équipe de Corse, les gars. Oula! C'est même pas la meilleure équipe de Corse! Et on perd comme ça! Je comprends pas, à domicile. Expliquez-moi ce qui se passe. On va jouer à Angers, on leur met une valise. On reçoit le Sporting sans supporters, on leur met une valise. Et le stade, il est plein et on perd. C'est tout le temps pareil. Qu'est-ce qui se passe avec les supporters de l'OM? Vous avez peur! Bande de complexés, vous êtes décomplexés. Vous voulez pas aller jusqu'au bout de vos rêves? Non! Vous êtes là, ouais, on a trop gagné, ça y est, on se calme. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Il se passe quelque chose avec les supporters de l'OM. Ils ont trop la pression et ils ne savent pas la gérer. D'ailleurs, dites-moi ce qu'ils savent gérer. C'est pas possible. Ajaccio, les gars, oula. Mais on aurait perdu contre le Sporting cette semaine. Ok. Contre le LOSC, à la rigueur, mais pas Ajaccio. C'est l'Ajax vitre, tu les nettoies. Et voilà, on perd contre les Corses. Et maintenant, pour le titre, ça se corse, les gars. Vos grands-mères qui portent du Michael Kors et qui dunkent sur Michael Jordan avec une paire de Jordan qui sont un Jordan. Oula, les gars, c'est un truc de fou, je comprends pas. On a perdu. Mais aujourd'hui, il y a des coupables. Sur la vie de ma mère, cabouret, cabouret, il est bourré sur le terrain. Cabourin, espèce de bourrin, c'est qui cette arnaque? Oula, c'est qui? Ce mec, oula, d'où il sort, Cabouret? Toi, t'as joué à Manchester City, sale menteur! T'es un menteur, Cabouret, je vais enquêter sur toi! Et je vais aller là-bas demander, t'as jamais eu de licence à Manchester City? Il faisait quoi, Manchester City, les gars? Ramasseur de balle? Ce trou de balle, il est nul! Sur deux centres, il en a raté trois! Quand je repense à Adil Rami, Adil Noulami, il nous a bien baisé, lui aussi! Quand Cabouret arrive à l'OM, Adil Rami, attention, ouais, attention, je comprends, attention. Il nous a dit quoi? Cabouret, c'est une machine. Une machine. Mais si je pouvais avoir une machine à remonter le temps pour que l'OM te prenne pas dans l'équipe. Et en plus, l'OM, pour acheter Cabouret, c'est 20 millions d'euros l'option d'achat. Mais même 20 euros, on te paye pas. 20 euros, tu les mérites pas. Wow, là, un sac de ballon, on les donne pas pour toi. Eh, casse-toi, Manchester City. Espèce de menteur, va. Manchester City, où ouais, t'étais? Qu'est Manchester City, les gars?
Quelqu'un l'a déjà vu jouer avec De Bruyne. Quelqu'un l'a vu faire une deux avec Mahrez. Non, c'est un menteur. C'est un menteur. T'as été zéro caboré. T'as été le talon d'Achille. Voilà, frérot, pourri. Zéro, pas de talent, pas nul. Nul à chier. Oh là, Jonathan Kloss, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui m'a manqué, Jonathan Corse, Jonathan Kloss? Il n'y avait que lui pour éteindre les Corses, les gars. Les Corses, ils sont arrivés au Vélodrome. 11 joueurs, ils nous ont fait un braquage. Océans Eleven. Oh là, je m'en remettrai pas, les gars. Et c'est ça le problème. C'est maintenant, ça met un coup au mental des joueurs. Déjà qu'on n'en a pas, et en plus, vous nous l'enlevez. Oh là! Il y a le Sporting dans quelques jours. Après, il y a le Parc des Princes. Les joueurs, c'était là. C'était un match pour prendre confiance. C'était un match pour se rassurer. C'est tout ce que c'était le match contre Ajaccio, les gars. Oh là! Mais c'était l'Ajax d'Amsterdam. Oh là! L'Ajax chaud. L'Ajax chaud. Et c'est l'Ajax qui était chaud aujourd'hui. C'est incroyable. Mais Kabouré, il est bidon. Oh, il a fait un centre. Il a tiré sur Longoria. Longoria, il s'est blessé dans les tribunes. Oh là, les gars. Arrêtez. Oh, il a fait une tête du nez sur la vie de ma mère. Une tête du nez. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Oh là qu'il a fait, les gars. Pour dégager en corner, une tête du nez. Arrête, mon frère. Arrête de nous baiser comme ça. Suarez, casse-toi, espèce de merguez. Mais Suarez, Sanchez, tous les S. Oh là, vous êtes des merguez. Tous les S de l'OM, là. La vie de ma mère, il s'est passé quoi? Alexis Sanchez. Oh là, j'avais tout préparé pour toi, Sanchez. Je me suis dit, va mettre un triplé. Oh là, le roi Sanchez. Le roi Sanchez. La galette des rois, ouais. Ta tête de frangipane. Ta grosse tête de cartable Espark. Oh là, t'es nul, Sanchez. La vie de ma mère, ça y est. Tu commences à te branler sur le terrain. Qu'est-ce que t'as fait? Sanchez, voilà, Sanchez, il était là, il bougeait pas, nul. Je comprends pourquoi ils t'ont mis 79 dans FIFA. Voilà, ils auraient dû te mettre 19, nul à chier. La seule chose que t'as fait de bien dans ce match, Sanchez, c'est de laisser le penalty à Payet. Voilà, lui un roi, une galette, les gars. Sur la vie de ma mère, une galette. Donc Sanchez, excuse-moi, je m'emporte, je t'aime Sanchez. Pourquoi je le parle comme ça, les gars? C'est pas bien. C'est pas bien ce qu'il fait des choses pour nous, mais je comprends pas. Je comprends pas, il est pas régulier, quoi, ça me fait casser les couilles lui aussi, à choisir ses matchs. Voilà. Et tu parles de Dimitri Payet. Dimitri Payet, il a mis son 100e but, il s'est arrêté de jouer. Voilà les gars, sur la vie de ma mère. Voilà, pendant une heure, il faisait des tours de terrain. Il a posé au stade, espèce de facochère qui nous coûte cher, Payet. Voilà, il est là, il fait ses 100 buts, ce sanglier. Arrête, Payet, c'est bon. Les gars, ça fait un an que Payet, il court après son 100e but. C'est pour ça qu'il est devenu nul, les gars. Il voulait juste réaliser son record de 100 buts. Voilà, la preuve que je vous mens pas. Regardez, il a mis son 100e but. Il y avait déjà un maillot préparé. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, ça, les gars? Il s'est plus appliqué à faire son t-shirt qu'à jouer sur le terrain. Ça veut dire que ça fait un an que Payet, à chaque match, il prépare un t-shirt. En dessous le maillot, il y a un t-shirt qui est marqué « Merci les 100, merci les 100 !» Espèce de bouffeur de croissant. Voilà, la vie de ma mère, les gars, ça fait un an que tous les matchs où il ne marque pas, il avait un t-shirt préparé. C'est la honte, Payet. C'est pour ça que tu es devenu nul. Maintenant qu'il a mis ses 100 buts, il joue plus. Ça y est, les gars, il a plus joué. Voilà que c'est un truc de malade. Eh, c'est un truc Balerdi, pareil, les gars. Balerdi nous a fait un bon match face au Sporting. Un bon match. Il s'est dit, c'est trop. Je vais pas trop leur en donner. Qu'est-ce que t'as? Et l'autre Blanco, Blanco. Voilà, ta cage, elle est jamais Blanco, ta cage. Jamais elle est blanche. Jamais tu fais une clean sheet. Voilà, espèce de voilà, fumeur de shit, les gars, c'est incroyable. Il est pourri, ce gardien, il est nul. Oh, il croit quoi, tu dors? Réveille-toi, tu dors. Oh là, réveille-toi. Ça y est, à part crier dans les tunnels, tu fais quoi, toi aussi? Tu fais quoi, Gerson, ce touriste? Oh là, il va faire de la capoeira, ce bidon. Depuis qu'il est fort, il est nul, Gerson. Et tu dors, il met un corps paillette. Et derrière, t'as des Aminarit, t'as des Under, t'as des Bamba Dieng. La seule note positive aujourd'hui, c'est le retour de Bamba Dieng. Il a failli égaliser ce Sénégalais. C'est le Sénégalise, les gars. On n'est pas passé loin. Mais ça me fout le démon, la vie.
vie de ma mère, c'est crevettes. Les gars, des crevettes sur le terrain, là, des crevettes sans tête. J'ai jamais vu ça, ce niveau. Ajaccio, 28e, 28 millième. Wallah, ils vont plus prendre de points après nous, les gars. Ils ont fait ça, ça y est, là, ils vont rentrer à Ajaccio, l'indépendance de Lille. Wallah, les gars. Ah, c'est un truc de fou. Et là, on va jouer au PSG, les gars. Et sur le terrain, je veux pas avoir des complexés. Ne soyez pas complexés! On est plus fort que le PSG, ils ont peur de nous. Ils ont peur de nous, la vie de ma mère et le Sporting aussi. Et le Sporting, c'est pas comme vous cette semaine, on sera à l'heure à Lisbonne. Voilà les Lisbrouettes, à coups de brouette, on va vous prendre, bande de mouettes.